Salut à tous. Bon, là, on est posé avec Turkish Airlines en business class. On est en direction de Dubaï, bien sûr, pour aller mettre des petits ponts. Mais non, je rigole. En fait, on est déjà arrivé à Dubaï. Bien sûr, on va mettre des petits ponts. Mais c'est pas tout. En fait, il y aura plusieurs parties. Il y aura les petits ponts, le CLBS, comme vous connaissez. Mais là, la première partie, on a un spécial guest qui s'appelle Eji. C'est le mec de Bodytime. On a fait un challenge. Je voulais checker ça. On va là vous rappeler, hein, vidéo du Turkish Airlines, freestyle dans l'avion, on va en Turquie, on va vraiment vous souvenir de ça, oui. Mais là, je suis pas parti tout seul. Premièrement, j'ai ramené le caméraman de shot que vous connaissez si vous avez vu les Snapchat, tout ça. Et deuxièmement, j'ai ramené le coach de shot, celui qui va me faire souffrir pendant tout le chemin. Et ouais, ouais, salut, je vais l'entraîner, il va faire du sale. Il est là, c'est Mister PJ, vous connaissez la chaîne Bodytime, dédicace à Alex. On est là ensemble, tranquillement, on va à Dubaï, invité par Turkish Airlines, on va au soleil. On a PJ qui profite de ses derniers moments d'internet. À fond, là. Parce que là, il en passe 3 heures sans internet. Il est dans. Sur tous les réseaux, là. Il est en stress. Donc ne commentez pas trop parce que sinon il sera dégoûté, il pourra pas vous répondre. Alors, vous préférez mourir en suffocation sous l'eau ou alors sans parachute? Ça, c'est la question. Là, on est posé au lunch Turkish Airlines tranquillement. On est en train de chiller avant le deuxième avion de Dubaï. Tu vois, toujours, on prend du temps comme ça. Mais là, on est en train de se dépêcher parce qu'on est en retard pour l'avion. Hein? Là, on fait genre, on n'est pas pressé, mais on a une petite pression quand même parce que l'avion est dans 20 minutes, ça va fermer normal et tout. Vas-y, montre-moi comment jongler. Ah là, tu l'as fait mieux là. Hein. Est-ce qu'il y a la caméra? Voilà, il est même meilleur. Voilà, ben, tu vas me mettre un petit pont. Hein? Allez, je ferme les jambes, attention. Bon, oui, on va passer en mode incognito. En plus de ça, ce qui paraît, j'ai plus de les gilets blancs. On a séché. On fait trop maigre. On a perdu des. Il nous a tué, il a dit. Ah putain, vous êtes maigre en vrai. Ouais, c'est pas grave, hein. Il faut préciser qu'il fait 2m5 et 130 kg. Ouais, j'avoue. Chose à ne pas faire en Turquie, de mettre son 3G, parce que moi je l'ai déjà mis. Et ça m'a fait 7000 euros de forfait. Là, on a PJ qui est en train de poster le plus vite possible. Il a mis son 3G. Là, le forfait est en train de. Un petit ballon de foot pour Sehad. Ah voilà, il connaît. Et ça poste, et ça enchaîne. Moi, promis, je fais plus l'expérience. Je poste en arrivant. Voilà. Je poste en arrivant. Il a l'impression, il ne veut pas qu'on lui parle pour qu'on le dérange. Là, il est en train de tuer. Dès que ça a posté, je. Regarde, attention. T'as posté ou pas? Encore. Envoie en cours. Dépêche-toi. 1 euro. 2 euros. Oulala. 3 euros. Allez. Et ça... Je suis sûr qu'il va annuler le poste bientôt. Et le pire de pire, c'est quand tu fais tout ça et que ça poste pas à la fin. Ouais, c'est ça, ça bouge pas. Allez. Alors qu'il est en 3G. Hein. Moi, ça met la pression. Hein. Hey. Alex, il est en train de ruiner le compte Alex et PJ. C'est Bodytime. C'est Bodytime qui rince, c'est pas grave. Échec. Échec. Merde, ça va poster. Ah voilà. Monsieur le chef, il nous offre un petit bonjour, monsieur. Hop, thank you. Voilà un petit verre d'eau, on reste soft aujourd'hui, on reste soft. Bienvenue à Dubaï tout le monde, voici sortie de l'aéroport,
Nous sommes à Dubaï International. J'ai la pression là. J'ai l'habitude l'ouverture des chambres, je la fais tout seul, tu vois. Et là j'ai deux caméras avec moi. Waouh, c'est trop. Tu es obligé de ces deux caméras. Personne ne voit ici. Allez, venez avec moi dans mon. Ok. À ce moment précis, concentre-toi sur Audran, le caméraman. Suspense. Découverte de la chambre. Déjà la vue là. Ouf. Et moi. C'est la même chambre. Le vide sombre, avec un petit point de bleu que j'aime beaucoup. J'avoue. Petite pointe de bleu. Ambiance. Petite ambiance bleue. Petite vue sur. C'est moi, ça sera top. Welcome to Dubai. Voilà, on va pas pour Charlie. Mais il y a la piscine en dessous. Donc je suis du même côté que toi en fait, TJ. La piscine, c'est vrai. Je suis désolé, c'est sale. Je vais leur dire. Ouais, là, j'ai un match. Non, mais en fait, il faut savoir que Dubai, il est extrêmement sableux. C'est un désert en vrai. Et donc du coup forcément il y a le problème de sable et de trucs, donc voilà. On va faire des trucs. Ça sera un clap hein. Tu peux dormir. Ouais, je suis genre. T'as envie de le tuer le mon lit hein. T'as vu ça donne envie. En fait je vais les dormir direct. Hein. Eh ouais. Non franchement. Ça sent un clap. Petite vidéo de muscu dans la chambre et tout, tu vois. Hein, ça sent un clap. Sur les canapés. Back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Voilà, on va finir le show. Là, on arrive dans le plus grand mall du monde qui s'appelle Dubai Mall. On va faire visiter les gars un petit peu en dehors de Dubaï, etc. Bienvenue à Dubaï. Si tu viens à Dubaï, tu es obligé de passer par là. We're back from the dead.
Voilà, on a eu tout, les Louis Vuitton, les Cartier, les Nike, les Adidas, les tout. On s'arrête aux jeux vidéo, au parc d'attractions. Normal, les gamins. C'est notre enfance qui ressurgit, c'est le cœur. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait alors? Là, on va faire une compétition de Giant Slide. On a un toboggan là. Attends, pas partir d'en bas, je montre, là c'est l'arrivée, donc nous on va se filmer d'en bas. Ça remonte, oh là là, là là, là là, et c'est celui qui part tout le temps, on voit pas, mais il y a une descente de malade. Voilà. Et c'est au chrono. Voici, je suis à l'arrivée du Giant Slide où PJ et Audran vont se lancer. Je vais voir leur démarrage et surtout leur arrivée et le temps qu'ils vont faire. Il est parti, il est dans sa cabine. Et c'est parti. Et là c'est parti, on l'entend crier. Et il est arrivé, il a fait 9 secondes 92, je sais pas ce que c'est. So, donc combien il a fait Audran? Audran il a fait 9,92. Voilà. Ok, abattre. Abattre. C'est pour le prochain. La putain, pression. Je suis chaud. Il m'a mis mon sac de couchage. Ok, j'y vais. Je te la laisse. Je vais crier. Allez. Ma pilote de FA. Ah ouais. PJ, un petit mot avant. Ok, if you want to force, no problem. On you want to pull yourself? Okay. Yeah. Okay. Okay, just hold that after that. Okay. One, two. Allez, PJ! Allez, Roca! Donc voilà, comme tout compétiteur, j'ai compris les bonnes techniques pour pouvoir gagner ce challenge, on va voir. Ça a joué en mi. Next level! Wait. I have to take this? Yes. Okay. If you want to push some force, but make sure you will hold up. Yeah, yeah, don't worry. Okay? Yeah. Push forward! T'es prêt? Yes. Prêt la caméra? Ah, on va battre le record, je vous le dis. Ok, when you're ready. One. Yes. Two. Là là le bâtard. Il a fait le record. L'enfoiré. Un dixième. Vous avez la technique, j'ai demandé au mec en haut comment faire pour aller plus vite. Il m'a dit tu remontes un peu la tête et tout. J'ai remonté la tête et voilà. Je crois qu'ils l'ont reconnu, ils sont halus. Ok, bon, on est parti en mode défi là, vu que c'est parti en mode gaminerie. On va avoir deux défis qui suivent. Le défi foot, où on doit marquer le plus de buts à Homer Simpson. Et ensuite le défi basket, parce qu'il y a Mister qui est un bon basketteur. Je vais gagner. Allez, on va jouer au jeu où je suis le plus fort. Le pire feuille ciseau, celui qui gagne, bah, il choisit s'il commence ou pas. Ok, ouais. Ah, il commence. Bon voilà, j'ai marqué 10 buts. Tu dois battre 10 buts à Homer Simpson. Maintenant on va voir ça.
J'avoue que j'ai gagné d'un point pour le football, j'ai eu un petit peu de pression. Et là pour le basket, on va voir, c'est pas ma spécialité. Mais apparemment, BJ il est chaud. Ah, on lui met la pression. Déjà le bouton du milieu ne marchait pas. Donc on a galéré un peu les règles. Non. Bon, je voyais qu'il avait un petit peu de sens d'orientation. Il était là, il était posé et tout ça. Pas de style, mais d'orientation. J'avoue que j'étais perdu. Donc, à chaque fois qu'il fallait rester sur les pointes, j'étais bien, je pouvais mettre des vagues et tout. Mais alors dès qu'il fallait commencer à être devant derrière, j'étais loin. Voilà, bon il a gagné le challenge, j'ai rien à dire. Mais le plus important c'est qu'on s'est éclaté dans cette journée à Dubaï, c'était super cool, les shows avec Turkish Airlines, la petite visite au Dubai Mall et puis Burj Khalifa, franchement ça annonce du lourd pour la suite. On vous réserve plein de surprises, restez connectés, allez voir la vidéo sur la chaîne de Fiji. Voilà, il y a aussi du lourd sur sa chaîne qui arrive. Ouais, ouais, à bientôt. Ciao.